Ici, nous sommes au service technique du génie civil et des aménagements intérieurs, direction du patrimoine de l'architecture. C'est dans ces locaux que nous restaurons et fabriquons les éléments de Paris-Plage. Nous avons à peu près 600 mètres de caissons de vagues qui sont en 7 éléments différents. Nous avons également une trentaine de cabines. Nous avons des menuisiers, des monteurs et des peintres. Dans cette partie d'atelier, on est en train de refabriquer des plages de sable droite. C'est des éléments, des caissons qui vont être posés sur la chaussée et qui vont retenir 40 cm de sable. Voilà, merci. Ici, vous avez des caissons qui ne seront pas habillés, qui restent tels quels, puisque des planchers reposeront dessus et que ces planchers accueilleront des cabanes. Alors ici, nous avons la vague qui représente 600 mètres de long. Il y a à peu près 600 éléments, une hauteur de 40 par une largeur de 40 qui retient le sable. C'est ce qu'on appelle la vague. Alors la vague sera posée à partir du 15 juillet, 4h du matin. À midi, on aura terminé de poser la vague. Nous ici, on est dans le local qui sert à repeindre les cabines, les restaurer. Alors nous avons une trentaine de cabines pour la VGP et une dizaine de cabines pour la Villette. Chaque année, on fait quelques petites réparations sur les cabines et surtout une remise en peinture puisque suivant les années, une variante de couleur. Alors, les cabines ont été construites à la première édition et le petit détail qui a changé par rapport à la première édition, nous étions sur des cabines à habillage en toile. Mais vu les détériorations que nous avons eu la première année, nous sommes partis après sur des cabines habillées par des lames de bois qui sont à couleur unie. J'ai fait les 13 Paris-Plages, montage, démontage. C'est un chantier qui est quand même relativement intéressant, autant pour le personnel que pour moi, puisqu'en fait on est auprès du public, on essaye de sortir quelque chose de très propre, de très beau. On est fiers de la réalisation de Paris-Plages.